Bonjour tout le monde, c'est Christine d'Estilharmonie. Merci de me rejoindre. Alors attention, aujourd'hui, nous allons utiliser quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça existait déjà quand j'étais petite et j'en étais déjà complètement dingue. Et c'est le, attention, tadam, plastique dingue, aussi appelé plastique fou, ça dépend des marques. En tout cas, voici ce que j'ai fait avec cela. D'abord, je vais vous montrer le paquet en question. Bon, tant pis, je vais être obligée de revenir en arrière. Voilà, donc j'ai acheté ça, j'ai fait pas mal de recherches sur internet où je pouvais le trouver moins cher avec pas mal de feuilles à l'intérieur et je vous mettrai le lien où je l'ai trouvé parce que là-dedans vous avez 30 feuilles, elles sont transparentes ou translucides si vous voulez et elles sont super bien. Et c'était vraiment celui que j'ai trouvé en termes de rapport qualité-prix le plus avantageux. Je savais que j'allais m'en servir pas mal, c'est pour ça qu'il me fallait beaucoup de feuilles. Vous voyez, c'est transparent. Vous allez donc avoir une face qui est totalement lisse et qui est brillante. Et vous avez une face qui est un peu plus rugueuse et qui est opaque. Enfin, opaque, qui n'est pas brillante, qui est mate. Donc, c'est là-dessus que l'on va travailler, sur cette surface qui est un petit grain, contrairement à l'autre, la partie mate. On va venir colorier cette partie-là. Donc, j'ai déjà en fait prédécoupé des choses en utilisant des dies. Vous pouvez bien entendu couper à la main, ça se découpe très bien à la main et ça se découpe très bien avec les dies. Donc j'ai préparé, je vais peut-être utiliser ça au départ. Est-ce que c'est suffisant en termes de couleur? Non, je vais aller là-dessus. Voilà, mais après je vais être obligée de travailler sur du blanc parce que je vais les colorier. Donc j'ai coupé toutes sortes de fleurs, de pétales, de feuilles et on va les travailler avec toutes sortes de possibilités. Alors, l'une des plus faciles, ça pourrait être d'utiliser des crayons de couleur. Ça pourrait être d'utiliser également des pastels. Alors, les pastels, vous en avez des pas chers dans tous les magasins. Aujourd'hui, je vais utiliser ces pastels-là que j'ai depuis très longtemps. Vous voyez, les boîtes sont un petit peu rouillées, mais ça faisait très longtemps que je les avais, que je les ai achetés. C'était à l'époque, quand j'étais aux États-Unis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de choses, hein. Donc, au départ, je vais parler un petit peu pour vous expliquer ce que je fais. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'espère qu'il va bien zoomer, on fera différemment. Je vais mettre une petite musique. Alors là, mes doigts, c'est parce que j'ai utilisé toutes ces couleurs. Voilà. Je vous mettrai une petite musique et il n'y aura pas besoin que je vous parle pendant des heures. Alors, je vous montre celle-ci. Alors là, par contre, quand j'ai commencé à utiliser le plastique dingue, c'est des feuilles qui me restaient. Celles-ci ne sont pas transparentes. Le dos est blanc. Alors, ça peut avoir un effet joli. Ça, c'est pas très gênant pour cette fleur. Vous voyez, j'ai mis des petites étamines là, des pistils. Que l'on trouve également dans beaucoup de magasins. Vous les trouvez en ligne, j'en ai de toutes les couleurs, c'est très joli. Là, j'en ai fait une qui est beaucoup plus petite. Je vais mettre ça sur un fond blanc, vous allez mieux voir. Là, je n'ai mis que deux épaisseurs. Donc, vous avez le centre, pareil, j'ai utilisé les mêmes petites étamines et puis l'extérieur. Et là, c'est beaucoup plus joli parce que là, c'est un effet transparent. Et là, brillant. L'intérieur, si vous ne faites rien, va rester mat. L'extérieur est transparent. Sinon, l'autre option que vous avez, c'est de suite, une fois que c'est terminé, de venir mettre un vernis brillant par-dessus. Mais si vous voulez que ce soit mat, parce que c'est pas vilain, ça fait un petit peu givré. C'est vraiment très joli. Et j'ai également celle-ci que je n'ai pas encore collée. Mais j'ai mis plusieurs épaisseurs. Alors, il y en a un. 1, 2, 3, 4, voilà, si je les prends séparément. Ces deux-là sont exactement de la même taille, mais je les ai manipulées autrement. C'est-à-dire que celle-ci a l'air plus grande. Celle-ci va se mettre au milieu. Et on peut continuer comme ça pendant encore un certain temps. Ça donne pas mal d'épaisseur. Et je viendrai aussi mettre des petites étamines, après des petits pistils au milieu. Mais c'est vraiment joli parce que ça donne beaucoup, beaucoup de relief à la fleur, si je me dis comme ça. Et il n'y a pas de traces blanches. Franchement, moi, je préfère travailler avec la partie, le plastique fou qui est transparent. Et ça, c'est l'inverse. Alors, quand on travaille sur l'envers, malgré tout, on perd un petit peu la couleur vive. Vous voyez, c'est un petit peu plus foncé par là. Désolée, j'essaie de jouer avec la lumière. C'est un petit peu plus vif de ce côté-là. Tiens, si je faisais un comparatif comme ça. Hop, hop. Oh, quoique.
Ça peut être sympa quand même. On pourrait mettre non seulement du vernis, mais on pourrait également mettre de la résine pour donner un effet brillant. Mais si vous n'avez pas de résine, ça ira très très bien. Vous pouvez utiliser aussi des feutres si vous vouliez. Hein. Mais je vais rester sur les pastels. Ah, j'ai oublié ça, je l'ai fait de l'encre Distress. Franchement, c'était très bien aussi, vous pouvez le faire. N'oubliez pas, ceci va énormément réduire. Ça, est-ce que ça c'est laquelle? Ça, c'est celle-ci. Donc ça réduit environ 7 fois et ça épaissit 3 ou 4 fois. Ça se met au four, ils disent à 150 degrés pendant quelques minutes. Quand ça redevient tout plat, c'est que c'est fait. Mais je vais vous montrer ma technique. Je vais prendre un cutter. Je ne vais pas utiliser la partie qui coupe. Je vais utiliser l'autre côté et je vais faire des rayures ici. En portant vers le centre de la fleur, je vais faire comme des rayures. Ça va être ni plus ni moins que les nervures des pétales. Je vais enlever en fait un petit peu de matière et ce sera d'autant plus visible après si vous faisiez ça sur des fleurs plus grandes. Plus ce sera grand, plus la fleur finale sera grande. Donc là c'est bon, je vais mettre maintenant un petit peu de ma couleur orangée et je vais le faire dans le sens, enfin opposé, perpendiculaire à mes rayures. Mes rayures sont faites comme ça, et je vais le faire dans ce sens-là, parce que ça va venir les obscurcir. Parce que les pastels vont rentrer dans ces petites rayures. Alors, vous allez en avoir plein les doigts si vous utilisez ça. Vous pourriez utiliser aussi des ombres à paupières, ça ne pose pas de souci. Je fais la même chose avec celui-ci. Avec cette fleur. Maintenant, je vais prendre un autre petit coton et je vais utiliser du vert pour le centre. Voilà. Et je viens un petit peu, pas beaucoup, mais juste en mettre comme ça. Voilà, je pourrais aller plus loin, on pourrait faire des dégradés, on va s'amuser encore un petit peu plus. Et maintenant, je vais en faire encore quelques-unes ici. Alors là, j'ai cassé des pétales. Alors, à savoir aussi, tiens, c'est un bon exemple. Si vous avez des dies qui ont beaucoup de détails, qui sont très serrés, etc., ça risque de ne pas fonctionner. Parce que c'est quand même du plastique. Alors, suivant la qualité des dies, ça coupera plus ou moins bien. Mais plus il y a de détails, plus c'est très très fin à couper, plus il y aura des soucis. J'ai décidé de ne pas les jeter parce qu'en se recroquevillant, ça va pouvoir prendre un petit peu, vous voyez, la position quand même d'une fleur à 5 pétales. Donc, ça ne sera pas gênant. Ce sera juste une autre position. Je vais également faire la même chose avec des feuilles. Alors, j'ai déjà fait les striures. Je me suis avancée.
Alors, vous voyez, bon, l'éponge noircit un petit peu, mais il n'y a pas de souci, vous enlevez et c'est rien. Elle va quand même durer un certain temps. Donc, j'ai pu faire l'intérieur sans aucun problème et l'adapter à la forme de ma fleur. Et vous avez vu qu'en réchauffant un tout petit peu, on peut remanipuler la fleur, on peut lui donner un peu la forme que l'on veut. Attention, ceci n'est absolument pas fait pour les enfants, je tiens à le préciser. Même si ma chaîne n'est déjà pas orientée enfant, ne faites pas ça tout seul, vous allez vous brûler les doigts. Je vous conseille de mettre des gants anti-feu, des gants un petit peu particuliers qui vont tenir la chaleur. Ce n'est pas une raison pour laquelle il va falloir fondre ça trop fort. Si vous fondez trop longtemps, si vous laissez la huile gaine dessus, ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment fondre. Le plastique va fondre complètement, ça va faire des fils, ça va coller aux gants, ça va être lamentable. Donc si vraiment vous craignez la chaleur, mettez des gants. Sinon, allez-y par petites touches. Vous pouvez vous aider de plusieurs pinces également pour les recroqueviller comme ça sur le côté si vous en aviez besoin. Mais franchement, si on y va par petites touches, ça ne pose pas de problème. Et après, il ne reste plus qu'à coller. Vous pouvez coller ça avec... Alors, je ne collerai pas avec de la colle chaude, tout simplement parce que je vous le dis souvent, la colle chaude n'est pas faite pour coller très bien sur les parties non poreuses, sur les surfaces non poreuses. Donc, utilisez plutôt une colle forte de votre choix, vinylique, pour coller ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais faire maintenant les feuilles, parce que je n'en ai fait aucune. Donc, je les ai déjà préparées, comme je vous ai montré. Maintenant, je vais les former de la même façon. Alors maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai préparé donc des feuilles, exactement de la même manière que pour les fleurs. Je ne les ai pas laissées droites, je leur ai donné aussi des petits mouvements. Je les ai séchées plus ou moins, ou laissées prendre comme elles voulaient. Après, je les ai un petit peu orientées. J'ai fait la même chose avec ces deux formes-là. J'aime bien quand ce n'est pas droit, parce qu'une feuille n'est jamais complètement plate. Voici ce que ça peut donner. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, je vais voir ce que ça donne en mettant un petit peu de résine UV. On pourrait mettre également du vernis brillant, mais la seule chose, c'est qu'il va falloir laisser sécher. La résine, ça va aller très vite. Et puis, en même temps, je vais voir si c'est compatible avec ce produit, si ça ne pose pas de soucis sous la lampe UV. Donc, je vais appliquer ça sur l'une des deux ici et sur l'une des deux, tiens, sur la plus grande. Et puis, on fera un comparatif avant-après. Donc, je mets un petit peu... De résine UV, je vais appliquer au pinceau parce qu'il n'est pas du tout utile d'en mettre une tonne. Là, je vois qu'il en manque. Déjà, ça rend la feuille extrêmement transparente. Je pense que ça serait très joli également de faire ça sur des fleurs. Il faudrait faire l'essai sur des fleurs identiques, voir ce que ça donne. Mais ça la rend vraiment bien plus transparente que ça ne l'était jusqu'à présent. Et maintenant, 2 minutes sous la lampe UV.
Voilà, ça fait 2 minutes et voilà le résultat. C'est hyper brillant, donc du coup, des deux côtés. Le côté qui est brillant naturellement du papier et l'autre côté où on a mis la résine. Alors maintenant, si on compare, je vais comparer ces deux-là. Je pense qu'il n'y a pas photo. Il y en a une qui est devenue beaucoup plus transparente. Les couleurs sont devenues beaucoup plus pâles aussi. Mais je pense que ça peut être super intéressant. Peut-être moins sur des feuilles. Par contre, ce serait très joli sur des fleurs. Je vous montre également... Pardon. Sur celui-ci, ces deux feuilles-là, pareil, là, il y avait un peu plus de marron, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins mat. Sachant qu'en temps normal, les couleurs foncent quand ça rétrécit. C'est normal puisque on a mis une certaine quantité de pigments. La surface rétrécit, du coup le pigment est davantage concentré. Donc si vous voulez des couleurs très pâles, très claires, il faudra mettre beaucoup moins de pigments, quasiment presque invisible. Je vous conseille de faire des essais pour voir ce que ça peut donner. Donc au niveau des feuilles, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien quand c'est, ceci dit, un petit peu givré, l'effet givré qu'il y a là, que j'aime beaucoup. Mais je pense que je vais faire l'essai sur des fleurs et pareil, on va comparer. Je vais faire des fleurs identiques à celle-ci dans des tons de orangé. Et puis, je vais mettre deux vernis. Je vais faire ça en vitesse sous la lampe. Et je reviens vers vous. Puis, vous me direz ce que vous en pensez. On les assemblera. On mettra les petites étamines au milieu. On mettra de la colle et on mettra tout ensemble pour voir comme ça peut être joli. Ça pourrait être des idées pour faire des broches, pour décorer un paquet cadeau, pour un bijou. Pourquoi pas le monter en bague avec quelque chose d'un peu plus petit. Mais c'est exactement le même principe. Ou tout simplement aussi pour décorer une carte, hein, pourquoi pas. Donc ça y est, voici les deux fleurs. Donc là, je les ai assemblées puisque j'avais la résine UV, je les ai collées avec ça. Donc ici, vous avez la fleur avec à gauche qui a été résinée, donc qui est transparente. On voit bien le côté transparent, l'autre pas du tout. Je vais utiliser une couleur plus foncée pour vous montrer la différence. Donc vous voyez que celle-ci, elle disparaît énormément. La seule partie que l'on voit, c'est la partie qui est plus foncée au centre. Mais sinon, c'est énorme comme différence. Donc vous pouvez avoir des reflets très différents en fonction de ce que vous voulez. Mais sur la peau, ça rend joli. C'est beaucoup plus pâle, évidemment, ici. Mais je trouve que ça rend très bien. Si on devait l'utiliser sur du blanc, pourquoi pas. C'est quand même très joli. Alors, je vais vous en montrer une autre. On va terminer de mettre ça ensemble. Donc ici, j'ai deux fleurs bleues. Donc je les ai déjà mises en position ou quasiment. Il faut chercher des fois un peu comme on veut les mettre pour qu'il y ait davantage de relief. Vous pouvez utiliser une colle à prise rapide. Ce que je vais essayer de faire, j'espère que ça va fonctionner. Sinon, encore une fois, on pourrait coller aussi avec... De la résine. Je vais voir si ça va fonctionner sur le plastique. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis ici, je pense que je vais plutôt utiliser la résine pour faire des mélanges, pour vous montrer ce que l'on peut faire. Donc j'ai des petits sachets ici que j'ai préparés. Je ne sais plus si je vous les avais montrés au début de la vidéo, de toutes sortes de couleurs. Ça, c'est pour faire les centres de fleurs. Je trouve ça très joli. J'ai décidé de faire un ton sur ton, de reprendre du bleu. Je les plie, je les mets à des hauteurs différentes parce que je trouve ça plus joli. Vous voyez, elles ne sont pas toutes pareilles. Ensuite, je vais couper l'excédent. Alors, vous les mettez à la longueur que vous voulez. Moi, je ne voudrais pas les faire trop longues. Je vais mettre un petit poil ici de résine au bout. J'ai prévu ma petite lampe à main. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre 2 secondes, 10 secondes de lampe UV. Ça devrait être largement suffisant pour que ça puisse prendre. Voilà, c'est juste histoire de... Je mets un peu plus que 10 secondes quand même. Et après, si on a besoin, je les remettrai plus longtemps sous la lampe UV. Mais là, franchement, vu la quantité, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à 1 minute. Voilà. Et donc, vous avez une fleur avec plein d'étamines. Oui, c'est bien costaud, c'est bien solide. Essayez de remonter celle-ci qui est dans le coin. Voilà. Et donc, vous avez une fleur qui est absolument sublime. Regardez ça. Moi, j'aime bien le côté givré trop transparent. Je suis peut-être un petit peu moins fan. Mais c'est vraiment très joli. Celle-ci, on n'est pas obligé de faire un centre ici. Ou alors, on pourrait mettre une petite perle juste au milieu, pourquoi pas.
Celle-ci est plus ouverte, donc je vais mettre un centre et je vais repartir peut-être sur une couleur plus foncée. Donc je vais prendre ce petit sac là, c'est pareil, je vais en prendre juste deux, ça va suffire. Exactement la même méthode à différentes longueurs. Là, je vais couper un petit peu moins. Vous pourriez en mettre beaucoup plus si vous le voulez. Et je les fais dépasser un petit peu plus. Voilà, je les mets dans ce sens-là. Regardez comme c'est joli. On peut vraiment se permettre de faire plein de choses très différentes. Celle-ci, donc, c'est la transparente. Je ne sais même plus comment vous la présenter. Peut-être là, vous arriverez à la voir. C'est vraiment très, très, très joli. Peut-être que je vais mettre un peu de couleur encore dans le fond. On peut rajouter encore de la couleur si on voulait, mais moi j'aime bien en fait. Non, je vais laisser comme ça. J'aime beaucoup. Celle-ci, c'est certainement l'une de mes préférées. J'ai également la orange ici que je vais pouvoir mettre ensemble. Alors ces deux-là, ça ne sert à rien. Je vais mettre celle-ci au milieu. Alors, je trouve ça vraiment très, très, très joli. Il faut éviter de bouger quand on met la colle, évidemment. Je ne patiente jamais comme il faut. Voilà. Et vous allez en faire, mais alors, des quantités industrielles vraiment, vraiment jolies. Je vais mettre ça sur des feuilles. Alors là, je pense que je vais la mettre ici. Oui, c'est pas mal. Et puis, pareil. Alors là, du coup, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire transparent, transparent. Ou je vais faire transparent mat. Transparent mat un petit peu, ce ne sera pas plus mal. Et là, je vais opter plutôt pour de la résine transparente aussi. Ça va aller beaucoup plus vite. Et là, je mets un petit coup de lampe par en dessous. Voilà, je pense que déjà là, ça a bien pris. Je peux retourner maintenant. Évidemment, mettez les gants, mettez le respirateur. Là, j'ai complètement oublié. Et voilà, vous avez une fleur avec une petite feuille. Je vais en mettre qu'une seule sur une broche. Ça ferait très joli sur un t-shirt ou sur une petite veste blanche. Pour le printemps, ça va être vraiment absolument génial. Ici, j'ai un tout petit intérieur là que j'avais fait en découpant une toute petite fleur. Et je vais même pouvoir le faire à trois niveaux. On peut augmenter les quantités. Je crois que c'est ce que j'avais prévu au départ, de mettre comme ça plusieurs épaisseurs. Comme on fait avec le papier, en fait, on alterne des plus grandes aux plus petites. Regardez comme c'est joli. Vraiment, moi, je suis totalement fan. Je vais en faire plein. Je vais trouver d'autres idées encore que des fleurs ou trouver peut-être d'autres façons de les utiliser que uniquement plats ou uniquement en fleurs. Je pense qu'on va pouvoir faire plein de choses qui seront super jolies. Pourquoi pas essayer de tenter de faire peut-être des animaux en 3D, ça pourrait être aussi joli. Mais moi, je me vois très bien mettre ça en bague ou en pendentif pour cet été. Moi, ça ne me choque pas. C'est gros. Alors, si c'est trop gros, on peut en enlever une. Si c'est encore trop gros, ben, on peut descendre et faire une bague juste comme ça. Je trouve ça aussi très joli, pourquoi pas hein. Mais bon, moi, les grosses bagues, je suis fan. Je fais une petite aparté dans cette vidéo à la fin. J'ai rajouté ce que j'avais fait aussi dans la version anglaise pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Donc, il y a vraiment une infinité de fleurs, de formes. Celle-ci, vous ne l'aviez pas vue. Je vais vous montrer ça sur un fond blanc. Donc, elle est transparente. Celle-ci, j'ai mis de la résine UV. Si je devais comparer avec exactement la même encre, celle-ci, vous voyez que c'est complètement différent. Elle est beaucoup plus opaque. Donc c'est très joli aussi, je me vois très bien mettre ça sur une broche et sur une veste en jean, pourquoi pas. D'autres on pourrait les mettre sur des barrettes, sur un chouchou, pourquoi pas pour faire joli. Là ce que je ne vous avais pas montré c'est que j'ai mis des gouttes de résine UV ici pour faire un petit peu comme de la rosée. C'est très joli également, alors celle-ci fait partie de mes préférées, j'aime beaucoup la forme de cette fleur. Je vous mettrai les liens éventuellement aussi des dies où vous pourrez les trouver. Donc ça, c'est la première, une des premières que j'ai faites donc avec le fond blanc. Mais franchement, je pense que vous pourrez faire plus de choses avec des fonds transparents.
Celle-ci et celle-ci, c'est exactement la même, mais une avec de la résine, donc il a rendu totalement transparente. Celle-ci, je l'ai laissée telle qu'elle. Et vraiment, ça donne des effets presque de verre. C'est vraiment très joli. Et personne n'ira s'imaginer que c'était du plastique fou. Et ça, on sort des sentiers battus de ce qu'on pouvait faire quand on était petit, qu'on faisait en général des choses un petit peu plates, ou en tout cas beaucoup moins en relief que ce que l'on a fait ici. Et vous voyez, ça c'est un autre dies également dans lequel j'ai découpé du papier, et ça pourrait être très sympa à mettre sur une carte par exemple. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que l'on pouvait faire, avec, en tout cas au niveau des fleurs, avec le plastique fou. Vous avez vraiment plein de possibilités. Encore une fois, je préfère largement le transparent à la partie qui est blanche parce que on a beaucoup bonnes possibilités. Ce blanc n'est pas toujours super joli. Je crois qu'il y en a même des foncés. Il peut y en avoir aussi des métallisés. Faites un petit tour sur le net. Je vous mettrai les liens où moi j'ai acheté les miens parce que c'était vraiment au niveau prix. Ça défiait toute concurrence. Je pense que vous allez vous régaler également si vous aimez tout ce qui est fleurs. Vous allez pouvoir les faire dans toutes les couleurs. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez également aller télécharger des grands modèles de fleurs sur Internet, des dessins que vous allez découper. Vous pouvez écrire et dessiner en fait votre fleur, vous la découpez au papier et ensuite vous pourrez faire des fleurs même carrément plus grandes que ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, également de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et puis n'oubliez pas également de partager sur les réseaux sociaux et allez voir les vidéos que je vous suggère en haut à droite de cette vidéo. Et également à la fin, vous avez des vidéos que vous pouvez aller voir qui ont attrait aussi à la vidéo que vous voyez en cours ou quelque chose de complètement différent. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien. Ciao !